raison, non. C'est pas comme un roman, même si les impôts sont en diminution. On est parti pour l'explosion de nouvelles constructions et très peu de pognon. Et les impôts vont faire donc une explosion, mais ce n'est pas au goût d'une nouvelle association. Notre roman. Ils sont dans l'opposition. Pourtant, faudrait-il peut-être mieux de donner des bonnes solutions? Là est la question. Prince Patrick, regardez comme il est magnifique. Bon, c'est qu'il a un certain physique. N'aurait-il pas raté une ou deux leçons de gymnastique? Prince Patrick, c'est le roi du câble électrique. Un patron authentique. Bon, son entreprise augmente, c'est magique, hein. Prince Patrick, c'est un gars sympathique. Même s'il a un peu de fric, il a surtout un cœur fantastique. Mesdames et messieurs, Prince Patrick. Princesse Laure, la reine du hi-fi et du transistor. La télévision, c'est son sport. Bon, elle fait de l'aérobic aussi, d'accord. Princesse Laure, son magasin, c'est un trésor. Bon, c'est qu'elle va changer de bord. La route des Chavannes, puis la route des Glanes sera son nouveau décor. Princesse Laure, elle ne ménage pas ses efforts. Être proche de ses clients, c'est son fort. Enfin, pas trop proche, d'accord, hein. Princesse Laure, c'est surtout une fille en or. Mesdames et messieurs, applaudissez Princesse Laure. Prince et princesse de carnaval. Un couple magistral. Un couple libéral. Bon, libéral, je m'excuse, c'était pour la rime, je savais pas ce qu'il fallait dire. Je connais pas toute votre vie privée, hein. Mais ça me paraissait mieux que infernal, anormal, à poil. Non, alors j'ai dit, bah, un couple libéral, ça me semblait bien. Bref, je continue. Alors, un couple libéral, un couple phénoménal, un couple monumental, un couple juste génial. Voici notre couple royal. Applaudissez princes et princesses de carnaval. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous donne rendez-vous le vendredi 17 février pour la sortie de la SOC à l'hôtel de ville et bien sûr donc les 24 et 25 février pour notre grand carnaval de Romont. Ainsi s'achève cette partie officielle. Nous allons bien sûr vous inviter à venir boire l'apéro et ensuite aller manger un morceau. Il y a du jambon, il y a des saucisses. Faites bon accueil. J'aimerais au nom du comité remercier bien sûr les généreux donateurs et sponsors donc pour cette ouverture, ce lancement de carnaval. Nous allons poursuivre maintenant avec la décapsuleuse de Romont et une surprise de taille. Nous avons nos amis valaisans de Los Clodos de Viona qui est venu ici nous rendre visite. Et alors ça c'est bien les valaisans, ils disent rien. Et puis ils arrivent là au dernier moment, ils ont vu qu'il y avait du fondant, alors ils sont là avec nous. Hein. Veuillez donc accueillir bien sûr Los Clodos de Viona ainsi que la décapsule.